Cher futur moi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien? Disons, ça paraît super loin, mais en fait, je suis en train de me dire que 10 ans, c'est pas grand-chose. T'as le temps de faire beaucoup de choses et à la fois rien. Je t'avoue qu'on nous décrit un peu comme quelqu'un de good vibes, mais de très sensible. Donc, j'espère que tu continueras d'être good vibes et de prendre la vie un peu comme elle vient, sans vraiment essayer de t'attarder sur des problèmes qui ne peuvent pas forcément se résoudre directement, ou plutôt chercher la solution au lieu de t'enfoncer dans le problème. Mais du coup, j'espère qu'en 2044, t'oublies pas les choses du quotidien, rigoler, faire des câlins, etc., etc. Franchement, c'est trop bien. Et écouter de la musique. Écoute, continue d'écouter de la musique parce que c'est incroyable. J'espère que tu continueras de voyager. Je t'avoue qu'on ressort d'un voyage de Suède. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Ça t'a permis de découvrir beaucoup, beaucoup de choses différemment. Et je pense que t'en es un peu ressorti avec beaucoup plus de savoir. Et ça t'a permis de comprendre comment les autres vivent, comment les autres apprennent, leur point de vue, pourquoi ils pensent comme ça, etc. Et je trouve ça vraiment super important de voyager. Donc, j'espère que tu continueras. J'espère que dans 10 ans, tu auras un peu réussi dans le monde du cinéma. Je t'avoue que j'étais un peu lancée sur cette voie-là parce que j'ai pris l'aspect anglais, HLP, donc philosophie, et l'aspect art plastique. Et en option, tu as l'aspect théâtre. Et en dehors des cours, tu vas essayer de faire un groupe de cinéma. Donc je te lance vraiment beaucoup 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 sur cette voie-là. Et du coup je trouve ça trop cool. J'espère aussi que tu as toujours plein d'ambitions, genre faire plusieurs métiers. Je sais que je voudrais faire du droit et travailler avec les animaux. Donc j'espère que tu auras toujours des petits projets comme ça. Si c'est pas ces deux trucs-là, j'espère que ce sera d'autres trucs. Et voilà, j'espère que tu continueras de créer des choses, de comprendre des choses, d'apprendre et de jamais t'arrêter à juste ce qu'on t'a dit et plus te renseigner, etc. J'espère vraiment que tu continueras de te faire ton propre avis. Et voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Au revoir. J'agis, sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître, au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.